On va voir ce que ça va donner. Let's go. Alors j'ai deux Hydara, hein, bien évidemment en soutien. Alors si je gagne, franchement ce serait vraiment incroyable. Parce que Temari, elle est vraiment dans mes souvenirs dans ce jeu, elle est vraiment nulle. Au corps à corps, elle a que 3 coups. Bien joué la prise. Au corps à corps, elle a que 3 coups. Ça va pas. Ça va pas être facile. L'incliné est plutôt sympa. L'incliné qui est en deux étapes. Je vais essayer de vous le mettre après. La première étape c'est le tourbillon. Et ensuite il y a la deuxième, deuxième étape. Ouh, regardez, même le jutsu il fonctionne pas. Je vais vraiment avoir du mal à gagner. Oh là là. Alors non seulement elle a 3 coups, et en plus apparemment ils sont très très faciles à permuter. Ça c'était l'incliné. J'ai raté. Ouh là 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 là, je vais prendre cher. Bon, évidemment, ah, ça voilà, je l'ai réussi. Évidemment, je suis en position de faiblesse. Je peux gagner, hein, franchement, je peux gagner. Mais c'est vrai que c'est pas. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai que c'est pas facile. Je suis même tenté d'utiliser la TS3, honnêtement, tellement. Oh, le jutsu qui passe en dessous. Affreux ce personnage, affreux, vraiment affreux. En position, oh là là, mais même le premier coup on peut le permuter, c'est affreux. Oh, regardez ça! Non, là vraiment, ils avaient abusé sur Storm 2. Franchement, j'essaye un peu de spammer. Je sais pas, peut-être que ça passe mieux. Hein. Oh. Il a plus de chakra et on a repris un petit peu, je crois. Oh là 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 là, la garde elle est rouge, mais c'est pas suffisant. Oh, combo complet aérien. Ouh, incliné avec des. Ouh, j'ai eu de la chance avec des Hydara. Bon, j'ai rattrapé un petit peu. Va falloir vraiment jouer intelligemment. Oh là là, non, c'est abusé. J'ai plus de barre. Oh là là, oh là, d'où il a d'où il a d'où. J'ai plus rien pour permuter. Oh, je suis en pression. Oh non. Je permute tout. Comme un noob. Je m'en bats les couilles. Non. Non. Mais mine de rien, Karine, franchement, ces coups, ils sont durs à permuter, putain. Franchement, elle est dure à permuter. T'es marié, t'es trop nul, c'est pas possible, franchement. Bon bah bien joué à lui, je m'attendais pas à gagner. Quoique j'étais pas loin. Mais vraiment Temari elle a rien pour elle. L'incliné il est. Enfin, il est dur à placer. Le corps à corps, il y a que 3 coups et encore tu peux même pas les mettre parce que ça permute direct. La prise, bon bah en face à face c'est toujours compliqué à mettre. Et le jutsu apparemment il touche même pas tout le temps. Oh là là. Eh bah regardez, il prend Temari justement, parfait. Alors attendez. Idan. Ah, je peux pas prendre Kakuzu. Ce sera Kisame comme depuis le début. Bon là ça va être carnage. Si il gagne, écoutez-moi bien. Si il gagne avec Temari, j'arrête de jouer. J'arrête le live immédiatement. Si il gagne avec Temari, j'arrête le live immédiatement. Je la prends, je me fais battre, il la prend, il gagne. Humiliation totale, j'arrête le live tout de suite. Allez. Kisame déjà il fait le boulot. Allez, viens avec nous. On va voir comment il va. On va voir comment il va jouer sa Temari. Je suis curieux de savoir. Aïe, combo complet qui passe pas. Dommage, juste à la fin. Oh, magnifique. Il donne combinaison avec Kisame. Et le dash prise en face à face. Bon, pour l'instant, on est plutôt pas mal niveau de la vie. Hein.
Incliné, je suis obligé de faire un petit kunai pour le stopper parce que dans Storm 2, vu qu'il reste bloqué après l'incliné. Ouh, bien joué ça. Oh. Voilà, il reste bloqué comme je vous avais dit. Donc quand il reste bloqué, on peut en plus pas permuter. Alors faut faire vraiment attention. Limite si un mec il rate son incliné, tu fais technique spéciale, ça marche quoi. Vu qu'on peut pas permuter. Donc faut vraiment faire attention avec cet incliné qui est très lent. J'oublie aussi qu'il n'y a pas double saut dans ce jeu, donc j'essaie toujours de sauter deux fois. Mais ça sert à rien de sauter deux fois dans ce jeu. Parce qu'il n'y a qu'un seul saut possible, pas deux. Ouh la prise. Oh je savais qu'elle me le prendre. On était sûr et certain. Allez aide-moi. La prise. Merci Kisame. Oh la vie que ça enlève une prise, c'est toujours toujours aussi affolant. Ouh esquive de Gaara. Jutsu. Aïe, Jutsu raté. Ouh bien joué la prise. Impermutable en plus puisque j'étais en train de faire un Jutsu. Et le Jutsu à la relevée. Oh il a réussi à permuter, j'y crois pas. Ouh la prise une deuxième fois. Et ce sera la fin sur Kisame. Ah le jutsu avec Hidan, il est très comment dire, très impressionnant entre guillemets. Quand tu te relèves et que tu le fais direct, il part à une vitesse assez incroyable. Et il est donc très surprenant, voilà c'est le mot que je cherchais. Très surprenant. T'as du mal à te protéger, un petit peu comme dans Storm Revolution. Quand tu te relèves et direct que tu fais éveil et que tu frappes, c'est assez surprenant. On s'attend à ce qu'il y ait un petit délai quand même quand l'ennemi se relève. Et avec cette petite technique, c'est vrai que ça va assez vite. Mais il a réussi quand même à permuter le dernier coup. Bien joué, hein, parce que je me rappelle que le Jutsu Didan était vraiment très compliqué à permuter. Quand t'étais embarqué dedans, c'était toujours relou. Donc, bien joué. Personnage suivant, on va se faire... Naruto, on va le garder pour... Je sais pas. Il n'y a pas beaucoup de persos, hein, j'avoue, je suis... Oh. Bon, allez. 6 secondes. Aléatoire. Voilà ce que ce sera, les amis. Aléatoire avec Yamato. Et en soutien, ce sera donc Gai et le PC m'a choisi qui ? Naruto, en deuxième. On va y aller en aléatoire, hein, puisque je sais pas quoi jouer et c'est encore plus stylé parce que pour le coup bon bah on va pouvoir jouer un petit peu tous les persos sauf si l'aléatoire retombe sur le même perso, on va pas se les refaire, mais là en tout cas c'est Yamato, je me rappelle plus ce qu'il vaut dans l'ensemble de Yamato. C'est parti. Naruto bien joué en backstab dans le dos, Rasengan qui passe, Gai qui passe, on commence plutôt bien ce match. La prise, oh non j'y crois pas, c'était bien calculé et pourtant le jeu en a décidé autrement. Ouh, bien joué, prise face à face. Donc vous avez vu, face à face, la prise, on peut permuter. Dans le dos, on peut pas, mais face à face, on peut permuter. Bien joué, Naruto. Aïe! Décidément, la prise, c'est pas ça. Ouch. Bien joué. Ouh, esquive d'incliné. Bien joué Naruto, il passe à tous les coups Naruto. Ouh, est-ce qu'il me gagne? Le renvoi. Incliné. Ah. Ouh là 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 là, l'incliné, ça se qui est bien joué. Ouf. Gai, bien joué. Incliné qui passe cette fois-ci. Aïe, 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 le Rasengan pendant que j'étais en train de faire une prise inévitable. Ce qui nous remet à peu près à égalité dans le match. Bien joué, Naruto. Bim, coup de marteau, mon pote. Au calme. Oh là là, je me reprends Sasuke. Bon apparemment au Taijutsu il est pas super Yamato. La prise qui passe, aïe aïe aïe, ça passe pas. J'ai réussi à mettre aucune prise dans ce jeu. Dans cette game j'ai réussi à mettre aucune prise. Ouah Naruto il touche bien putain, il fait vraiment le boulot. Aïe aïe aïe, combo complet, trop stylé.
et le jutsu. Voilà, prédiction de dash. Je savais qu'il allait esquiver le guy pour faire un dash directement. Jutsu un petit peu camouflé pendant que le guy met un coup de pied. Et il dash dedans. Impossible à permuter dans Storm 2. Terminus, tout le monde descend. Bah, vous voyez, c'est encore plus sympa de jouer en aléatoire parce qu'au moins ça fait jouer des persos un petit peu qui changent. Et Yamato, ça faisait très longtemps que je l'avais pas joué ni dans. Oula, Yamato, franchement, Yamato, je l'ai pas joué depuis très longtemps, hein, dans tous les jeux Naruto confondus, franchement. Pourtant, il est pas mal, hein, c'est un des persos que je trouve qui est plutôt sympa parce qu'il est pas. Il est pas abusé au niveau de la puissance, il est plutôt correct. Et on peut faire quand même des choses sympas avec lui, donc il est vraiment. Vraiment sympa, je trouve. Suivant. Gaara, j'accepte avec donc Deidara, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas les soutiens en toutes les couleurs. Gaara, Deidara, ça fait une team plutôt, on va dire, correcte, hein, vu qu'ils se sont affrontés en battle boss. Et en plus, il est en rouge, donc parfait. Et de l'autre côté, on a Dio Dangero avec Kisame en personnage principal. Kisame qui était compliqué à gérer, hein, franchement, à l'époque. Très très lent, comme Kakuzu, mais comme tous les personnages qui sont lents, enfin qui étaient lents à l'époque en tout cas, très difficile à permuter au corps à corps. Voilà. Donc là, on a plutôt deux bons persos au corps à corps, parce que Gaara aussi est plutôt sympa. Donc je pense que là, au niveau du corps à corps, il y a moyen d'avoir des combos complets, je pense. Allez, c'est parti, on y va. Je sais pas combien de matchs ça fait qu'on fait ensemble là. On va en faire encore au moins 4-5, ne vous inquiétez pas. On va pouvoir voir d'autres persos juste après. Ne bougez pas, les amis. Ah, je rate mon combo. Ouh, si je vous mets le combo du haut, il est tellement beau. Franchement, si je vous le mets, je kiffe. Il est trop beau. Je crois qu'il a disparu dans. Je crois qu'il a disparu. Ça, c'était le combo du bas. Je me suis trompé. Le jutsu, il passe pas en plus après. Ouh, l'esquive de la prise. Aïe, aïe. Ouh, presque complet. Combinaison. Yuketemiro. Ah, ça va être compliqué. Ouh, il est passé. Il est passé. Il est passé devant Itachi. Magnifique, magnifique. Je suis grave content. J'arrivais jamais à le mettre celui-là. Et là, il est passé malgré Itachi et tout. La classe. Renvoi prise après le kunai. À l'époque, tous les kunai de Gaara renvoyaient automatiquement. Ouh. Zamen. Et bim, le combo du normal. Ça fait 3 combos complets dans la game, les gars. Je vous avais dit. Et la prise qui passe. Bim. Magnifique. Gaara, magnifique. 3 combos complets dans la game. Celui du bas au tout début. Celui du haut de justesse devant Itachi. Et celui du normal, là. Bon, j'aurais juste pu vous faire le dernier. C'était le combo du côté. Dommage, mais 3 combos complets dans une... Dans une partie, c'est déjà un énorme ratio. Bon, bah finalement, l'aléatoire, je suis pas déçu, hein, vraiment pas déçu. Ça me va plutôt bien pour l'instant. Allez, suivant. Apparemment, notre cher ami a le temps en plus, donc on va vraiment en profiter. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous proposer ? Hinata en soutien, donc Kiba je l'ai en rouge, ça sera Kiba seulement. Lui Ino, il reprend Ino parce qu'il l'avait pris tout à l'heure. Je crois qu'il l'avait pris tout à l'heure ou je me trompe. Non, je crois qu'il l'avait pris en début de partie. Ou est-ce que c'est un autre mec que j'ai affronté avant qu'il l'avait pris? Oh là là, je commence à m'y perdre. Non, je crois qu'il l'avait pris. Hein. Oh, je sais plus. Je commence un petit peu à être perdu. Combat de Konoshi, quoi qu'il en soit. Hinata, plutôt intéressante. Ino aussi intéressante. On est plutôt sur des teams assez équivalentes, là. Donc, évidemment, pour avoir des matchs fair-play un peu sympas, c'est mieux d'avoir des persos équivalents. Hein. C'est clair que, bon, si tu prends un perso abusé avec un perso tout pourri, c'est pas super, super. Allez, c'est parti pour tous les fans de Hinata. Je sais qu'il y en a beaucoup, en plus.
Ouh, la prise un peu trop loin. Ah, qui bat. Ouch. Ouh, esquive. Ah. Oh, je suis allé en l'air exprès pour qu'il appelle le Shikamaru au sol et qu'il truc, et il a quand même réussi à me toucher. Incroyable. Est-ce qu'on va avoir un combo complet avec Hinata? Je vous le garantis pas, hein, les potes. Surtout que je suis plutôt en position de faiblesse pour l'instant. Oula, 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 oula. Incliné. Avec le tête du tout, ça passe pas. Ouf, esquive. Ah. Ah, bien joué, renvoie. Oula la 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 la, j'ai pas réussi à permuter le jutsu. Ah, bien joué, très bien joué. Très très bien joué. Ah, Kiba aussi bien joué. Ah. Oh! Là. Bon, voilà, je voulais faire une prise, merde. Ouh, la permutation du jutsu, vraiment bien joué. Les matchs commencent à être vraiment intéressants. Shikamaru, fous-moi la paix, putain. Égalité au score. Oh là là, mais il est gonflant celui-là. Pas me foutre la paix lui, franchement. Ah, ça a touché ça. Ouh, protection avec le Kaiten. Juste avant la fin du match. Incliné. Ah, Shikamaru. Aïe, aïe, aïe. Kiba qui touche sur la garde. Fou, c'était un match plutôt sympa, hein. Plutôt sympa entre Konoichi, 14% de victoire de PV, pardon. C'était en plus bien serré. Alors Naruto Senin Modo. L'aléatoire avec Sasuke. Voilà, double soutien, ce sera mieux. Aléatoire Sasuke. Je vais garder Naruto Senin Modo pour après. Parce que Naruto Senin Modo, c'était vraiment sympa dans Storm 2. Et on est contre Jugo, gros taijutsu Jugo, je me rappelle. Hein. Gros taijutsu. Allez, c'est parti. Alors là, avec Sasuke, c'était mon main, je crois, à l'époque. Enfin, c'était un de mes trois personnages principaux, en tout cas. Donc, on va faire le boulot, les gars. Je vous le dis. Oula, oula. Merci. Aïe, aïe, aïe. Non, putain, Jugo, il est trop fort. Combo complet dans l'air. Enfin, duo, pardon. Il a réussi à me le mettre. Bien joué, Naruto. Yes, incliné qui passe. Ouf, esquive. Spam de kunai. Comment il spammait Sasuke à l'époque? Yes, bien joué Naruto. Le katon qui passe. Deuxième renvoi. Aouh. Ouh.
la prise en tête à tête. Oh là là, le deuxième combo complet, j'ai plus de chakra en plus, je suis dans la merde. Aïe, 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 aïe. Allez, vite du chakra. Merci. Ouh, j'étais dans la merde. Aïe. Naruto, aïe, 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 il m'a trahi. Ah dommage. Le jutsu qui s'arrête devant moi. L'incliné avec Deidara et le combo en l'air. Bim. Fou. Je commence vraiment vraiment à m'amuser là. Bon la team c'est un peu n'importe quoi, hein, Naruto Deidara. Mais mais j'ai pas trop le choix au niveau de soutien. Eh, plutôt sympa ce combat. Et comment refuser un Sasuke en aléatoire? Comment refuser de jouer cette partie avec lui? Alors, Shino, comment il était à l'époque, Shino? Maintenant, c'est sûr qu'il est complètement boosté, mais vraiment boosté maintenant. Shino dans les dans Storm. À partir de, je crois, de génération, il a commencé à être complètement abusé. Alors qu'il partait, je crois, d'un. Je crois qu'en fait, sur Storm 2, il était nul, je crois, en fait. Ouais, je crois que Shino, il est complètement nul sur Storm 2. Et maintenant, il est tellement fort maintenant. Tellement fort, tellement fort. Il a en plus son espèce de combo avec les insectes que tu peux faire à l'infini. Évidemment qu'il n'est pas contrable en plus, donc ça veut dire que un mec qui vient au corps à corps, tu permutes, tu fais les insectes, même s'il contre le mec, même s'il fait un contre, ça marche pas. Donc vraiment super avantagé ce Shino maintenant, vraiment abusé franchement. Et maintenant il est. Alors qu'à l'époque il était vraiment pas super si je me souviens bien. D'ailleurs j'avais été choqué à Storm Génération, j'avais été choqué de voir comment il était devenu fort. Donc là on va essayer de faire ce qu'on peut. Ah bah bravo. Voilà, regardez la vie que ça enlève, voilà, ça enlève tout petit peu par tout petit peu. C'est un peu comme Temari je crois en fait. Hein. Oh là, je suis en train de me faire maltraiter, putain. Oh là là. Mon dieu, je tape dans le vide en plus. Aïe aïe aïe. Ouais, donc j'avais bien raison tout à l'heure sur le Raikiri dans le dos que j'avais fait avec Sasuke et Taka. Là, je viens de faire exactement la même technique avec une prise, et donc j'avais bien raison, il peut permuter. Vu qu'il est en dash et qu'il est à la fin, il peut bien permuter. Donc c'était pas dans le dos. Tout à l'heure, ça me rassure. Ouch. Jutsu de protection. Wouah, je l'ai pas vu passer à travers. Allez, le jutsu qui passe. Merci, merci, merci. Bon, je remonte tout doucement, je sais pas si vous remarquez. Ouh, j'ai réussi ça. Regardez la vie que ça enlève rien du tout, ça enlève rien du tout. Incliné. Yes, la combinaison avec lui qui passe. Ça, ça fait du bien ça. Yes, parfait, le renvoie. Ah, la permute de prise, bien joué. Heureusement qu'il n'y a pas de ring out dans cette dans ce jeu. Yes. Ça passe bien. Ça, je me suis pris 4 tonnes, putain, j'ai pas vu. Yes. Oh. On veut pas se prendre la prise. Bon, j'ai remonté, hein, vous avez remarqué. Hein, là. Difficilement et habilement, mais j'ai remonté. Ah.
Aïe aïe aïe, il m'a fait le même coup qu'avec Idan, j'y crois pas. Ah, je suis à fond dedans là, je vous cache pas. Ouh, c'est passé. J'ai survolé son jutsu avec le avec mon jutsu aérien. Enfin mon jutsu, mon spam aérien plutôt. Bien joué la prise en face à face. Oh non, on ne peut pas permuter pendant les déplacements. Il faut le retenir ça, c'est très important. Oula, Lee qui finit le boulot. Merci. Je te paierai double le mois prochain. Merci, merci Lee. Aïe aïe aïe, les matchs commencent à devenir vraiment sympas, franchement. Je suis en train de kiffer. Et je vous cache pas que je suis à fond dedans pendant les matchs. Du mal à commenter en même temps parce que je suis vraiment à fond dedans. Alors. Aléatoire Hinata. On l'a déjà eu. Itachi. On l'a déjà joué. Jiraiya, on l'a déjà joué au début. Kakuzu, on l'a déjà joué. Deidara, j'ai pas envie de jouer Deidara. Je viens de jouer Shino, faut pas abuser. Gara, on l'a déjà joué. Itachi encore, non, il reste 3 secondes. Sasuke, non. Non. J'ai Sasuke avec un soutien en bleu. Et non seulement Sasuke, je l'ai déjà joué. En plus, enfin, soutien en bleu. La loose totale. Karine en bleu. Alors, je me rappelle que les soutiens en bleu sont beaucoup moins casse-couilles que dans les nouveaux Naruto. Mais je crois quand même qu'ils sont un peu chiants. Donc on va sûrement en avoir la démonstration. Du coup, j'ai pas de renvoi, ça faut y penser. J'ai aucun soutien en rouge. Donc j'ai Suigetsu qui va spammer avec moi et Karine qui va me protéger. Allez. Désolé pour le soutien en bleu. Hein. Je pense qu'il a compris que c'était pas volontaire. Bien joué Karine. Oh la vie. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Il faut jamais oublier que dans le jeu, les items ils sont vraiment très efficaces. Là il s'est pris un défoncement Katon. Ça lui a enlevé une vie. Kochida. Ouh, il fait me prendre un combo complet. Incliné qui passe pas. Le Katon sur Sai. Parfait. Dégage de mon chemin. Combo aérien. J'esquive Naruto. Suigetsu fait le boulot. Alors toi Suigetsu tu seras pas payé ce mois-ci, c'est clair et net hein, parce que lui il commence vraiment à me saouler ce soutien. Ce mois-ci t'auras rien du tout. Ouch. Alors bon ça alors ça c'était carrément pas c'était carrément pas cool ça parce que j'avais oublié mais je viens de me rappeler de quelque chose. Ou bien je veux la prise. Je viens de me rappeler quelque chose, j'avais certains persos comme ça qui lorsqu'ils faisaient une TS repoussaient le dash de l'ennemi avant de le toucher. D'ailleurs je me rappelle qu'il y a pas mal de gens avec Sasuke et aussi avec Asuma qui faisaient tout simplement ça c'est beau ça. Qui faisaient tout simplement qu'attendre en fond de map et dès que tu fonçais ils faisaient la TS. Et ça c'était pas cool. J'ai vraiment pas fait exprès pour ce. Oh, Suigetsu, t'auras rien pendant les deux prochains mois. Tu seras pas payé, je te le dis. Ah, plus de permis, bien joué. Karine. Voilà. Ouais, pas cool ça. Hein. Je me rappelle qu'il y avait ces 2-3 persos comme ça. Normalement, quand tu dash et qu'un mec il fait une TS, le dash il peut arrêter ta TS. Donc ça annule ta TS si t'es dans un bon timing. Or, avec certains persos comme Sasuke, Asuma ou encore certains autres, je crois, Suigetsu aussi, voilà, je me rappelle. Quand tu dash, ça repousse automatiquement l'ennemi et en plus il se prend la TS. Donc là c'était pas cool, mais j'avoue que j'avais complètement oublié ce truc là. Là j'ai fait une TS au hasard comme ça pour tester et ça s'est très mal passé. Naruto Senin Modo pour le dernier match. On y va. On va tout donner contre le daron en plus. Et c'est parti. Tellement beau Naruto. Je sais pas si je vais vous faire l'honneur de me mettre en Kyuubi. Parce qu'à l'époque c'était vraiment super le match avec Naruto.
Ce qui est sûr, c'est que vous allez bouffer de l'incliné, parce que j'adore l'incliné dans Storm 2 de Naruto Sennin. Allez, c'est parti! Un peu de concentration. Ouf! Je commence à bien reprendre mes habitudes sur le jeu. Ah oui, c'est vrai que Naruto Sennin, faut jamais se battre dans les coins avec lui parce qu'il y a trop de bugs. Ça, ce qui est bien joué. Ouh, Rasengan chargé. Que je vais punir avec un simple Rasengan. Parce que moi, j'en ai pas de chargé. Bien joué Sasuke. Rasengan en face à face. Ouh, l'incliné magnifique. Sasuke fait le boulot. Ah. Ouh, la prise, bien joué. Combo aérien. Il passe au calme, magnifique. Il ne passe pas, Sasuke. Oui, Sasuke fait le boulot. Oui. Et la fin sera un incliné magnifique. Cet incliné, je le surkiffe. Bon, écoutez, on arrive à la fin de ce live. J'ai super kiffé jouer avec vous, franchement. N'hésitez pas à donner votre avis si vous aimez ça. Je peux même rappeler le même joueur pour refaire des matchs. N'hésitez vraiment pas à donner votre avis. Moi, j'ai pris un plaisir fou à jouer sur Storm 2. Je vous laisse sur ça. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et on se retrouve très bientôt écoutez, pour de nouvelles aventures sur Storm 2 ou sur Storm Révolution. Salut à tous. Ciao.